pour avoir fait pas mal de festivals sur plusieurs années. Voilà, c'est une première édition qui est absolument exceptionnelle. Donc j'aime beaucoup le Nord parce que ma passion, elle est née dans le Pas-de-Calais, où j'ai commencé à aimer les grenouilles, je devais avoir 7 ans. Et d'ailleurs, on m'appelait la Garnoule parce que j'allais à Pécal-Garnoule. Donc je suis ravie d'être ici, merci. Moi d'être présente ici pendant les 3 jours, parce que c'est jusqu'alors, il n'y avait pas de festival nature dans notre région Nord-Pas-de-Calais, et je trouve que ça manquait un peu. Donc je suis très contente que le club, Photoclub Vambre-Occitain, très exactement, ait pris cette initiative. Je connais le Photoclub de Vambrechy depuis un petit bout de temps, puisque j'étais venu faire une conférence il y a quelques années, et puis j'avais dit à Thierry, le président du club, que le jour où il y aurait quelque chose ici, je reviendrai avec grand plaisir. Voilà, donc je suis là aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir présenter mon travail. Très chouette de présenter ces images, de les montrer, de les partager. Et puis, qui plus est, dans un cadre comme la distillerie, ici, sur Vambrechy. Organisé parce que mon épouse et moi-même sommes habitués à participer avec des festivals qu'on appelle de grands festivals en France ou quelquefois à l'étranger. Et vraiment aussi, on sent à Vambrechy vraiment... il y a déjà un truc important, c'est la convivialité, la sympathie des organisateurs, mais également le sérieux, tout est mis en œuvre pour que ça se passe très bien.